Parier gagnant émission de sport et du pari sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Salut Benoît Salut, salut, salut tout le monde. Prêt à redémarrer pour une super saison Redémarrons, ça y est, c'est parti. Ouais, l'été <laughs> était, on était pas. pas mal quand même. Euh, en termes de En termes de, de sport, d'événements, ah, de, oui, oui. de, bah, de, de belles choses quoi. Bah, Pourtant, c'était un été classique sans grande compète, vraiment. À part le, le, ouais. le alors là, là, là les, on va me dire t'es pas féministe là. À part les, le foot, à part euh... la coupe du monde des filles, bien oui, voilà, bien sûr. Hein? mais euh, sinon, je veux dire, il n'y avait pas de, de, de Jeux ouais. Olympiques, de. de oui, il m'a fait mot, tout l'été le Tour de France. De... Hein. Ah oui, non, mais le Tour de France, il <laughs> euh, y a eu de la, comment j'ai dire, il y a eu de l'action, et euh, c'est vrai qu'il a été, euh, le scénario était intéressant, et voilà, c'était vraiment, on va dire que Alain Philippe a tenu les, les Français en haleine, même si pour, pour les puristes. Savait très bien que Comme quoi ça allait être, être compliqué prête... de... qu'il qu gagne. Comme quoi il fallait être prêt de son téléphone et de ses notifications avant ce Tour de France, quoi. Ah bah oui, non mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, euh, et puis euh, je crois qu'on a vu un débat. Thomas ou Bernal, euh, favori, euh, bon bah... Hein, on a vu ce que ça a donné. Il euh, y a quand même une classe d'écart entre Bernal et Thomas. Après, il y aura toujours un point d'interrogation si Thomas avait eu une, une prépa optimale, euh, qu'est-ce qui se serait passé Parce que j'avais l'impression qu'il s'améliorait... Quand même au fur et à mesure. Donc voilà, mais euh, non super, euh, super intéressant et pour ceux qui avaient Bernal, bon ben, voilà, ouais. ça, ça a fait mouche donc, euh, ce n'est que mieux. Et ben voilà, on repart pour une nouvelle année. On va pas faire de débriefing de l'été, il s'est passé plein de trucs, mais on va aller euh, tout de suite euh, à l'essentiel. À l'essentiel, ouais, et tourner nos yeux vers, euh, vers la Chine pour commencer, euh, oui. puisqu'on va parler euh, des, euh, de la Coupe du Monde de basket. Euh, donc ça a débuté. On oui. est euh, on est en pool. Fin de, bah, euh, de, de poule, il reste, il reste quoi de, de poule, je crois, avec des matchs hein. Ouais, c'est compliqué. Moi, toujours, je casse toujours que dalle aux compétitions FIBA et l'organisation des, des tableaux. Hein. Je... Bah, là, tu as des poules de 4 et les deux premiers de chaque poule reforment. Donc, deux poules reforment une poule, ça fait 4. Et euh, bon, voilà, après ça se croise encore, c'est beaucoup de croisements. Ouais, c'est un peu genre un truc un peu genre technique pour faire des matchs. C'est un peu l'idée. Hein, parce que ça suffit pas 8 poules de 4, quoi, non, non, faut. Ouais, voilà, et puis il y a les droits de télé, tout ça, donc ça fait plus de matchs et. Et, et mmh. voilà, donc. Euh... Tout ça pour voir des stars de la NBA, quoi. Non, puis bon, de toute façon, on... là, tu fais quoi Tu fais le teasing Tu dis qu'on va on est un peu dans le teasing, on fait le ouais, sommet toujours. J'arrête ouais, d'en ouais. parler et puis. Ouais. On... Oh, ok, d'accord, ça marche. Alors, on va parler de Coupe du Monde de rugby aussi bah Ça approche. Ouais, dans 15 jours, euh... match euh... matinaux, ça va être bien. Ça approche. Ouais, pfff, ouais, ça, par contre... ouais, tu vois, cette année, <laughs> euh, entre la Chine, le basket, ouais. le rugby, le oui, Japon. Il va falloir s'y habituer, mon petit. Euh... Gars. Parce que la Coupe du Monde au Qatar, ce sera peut-être un peu plus tôt. L'Asie en force, quoi. Ouais. Et j'ai pas entendu dire que le Japon avait pas les JO, je sais pas quoi là. Où... Bah, Tokyo Oui, bah oui, non, mais ils ont pas encore eu un truc. Euh... Euh, Tokyo, oui, ça arrive, mais ils ont pas encore chopé quelque chose, un gros gros événement là. J'ai zappé, mais euh, voilà, je, je crois qu'ils ont encore chopé un gros truc derrière. Ça, bon, ils enchaînent quoi. C'est le... un peu l'Asie en force en, en ce moment. Pour nous Européens, euh, pff, je, pr je préfère quand c'est aux États-Unis et que les trucs soient le soir, même tard. Ouais, hein, bah euh... C'est bon pour la Coupe du Monde après celle du Qatar, tu seras. Tu ah ouais, bah, ça ira. Bon, ok, ça marche. Donc euh, Coupe du Monde de rugby, on va en parler un peu. Il y a eu pas mal de, de matchs internationaux. Faire un petit point sur, euh, sur les Français aussi. Ouais, et puis on terminera cette émission euh, par euh, causer un peu de foot aussi, faire un petit point, un petit peu, pas forcément sur les éliminatoires parce que les matchs internationaux, tout ça, reprise aussi. Quoi On va pas parler du Kosovo Ah, tu. Ouais, <laughs> on fera un point <laughs> Kosovo si tu non, veux. Non, 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 non c'est bon, j ça va, j'en ai as assez parlé, mais voilà, il y a juste un match. Euh... Très, très important pour eux là, ouais, qui, qui bon, va... On en parlera quand même Dans les petites infos en fin d'émission parce que tu as plein de trucs aussi tu voulais nous parler de ce qu'il y a le euh, aussi. Euh, Ouais en fait on s'est dit que cette année on allait faire 2-3 minutes en fin d'émission où, où, où je vais balancer des choses comme ça mais ouais. peut, où on peut pas en faire euh, on peut pas en parler pendant 10 minutes Et puis, euh, euh, et donc puis ouais, ouais peut-être qu'on se permettra 2-3 petites euh, escapades aussi hors Paris aussi, j'ai quelques on trucs voit. dans les tuyaux là, Allez, là, bah, là, bah, écoute on euh... parlera donc c'est ça les, les nouveautés de cette année. Okay. Et Dame, c'est n'est pas là. On explique pourquoi. Parce qu'il y a les matchs. du, à BBH, la Réa, H, du Brest Le euh, Brest a battu Besançon. Et euh, il doit faire tout ce qui est le jour d'après. Il bosse quoi, pour eux, pour, il doit faire les montages et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Mais il n'y aura pas euh, les matchs du BBH euh, tout le temps en milieu de semaine. Il y en aura aussi le week-end. Euh, il y aura aussi des matchs à l'extérieur. Voilà. Donc euh, voilà. Euh, et pour l'instant, trois, trois matchs, trois victoires. Effectif qui se met en place. Euh, on y croit pour cette année. Pour le titre de champion de France. Oui, parce que Guerre en Ligue des Champions, ça, voilà, ça va être toujours très compliqué de, de les battre. Je Et puis pense. là, le, le vestiaire est serein. Pour l'instant, okay. <laughs> je ne m'avance pas trop, mais ouais. Pour l'instant, ça, ça l'est. Ouais. On est d'accord. Allez, on attaque avec parti. les championnats du monde de basket. Alors, euh, les États-Unis, mmh. l'éternel favori de, de la compétition. Alors peut-être un peu moins cette année. Parce On avait parlé un petit peu avant, euh, avant les vacances de, de cette team USA euh, qui avait quand même quelques All-Stars et finalement. Mmh, euh, en, en, voilà, c'est ça. En fait, il y a plein de choses qui, a chang qui, qui ont ça. changé. Moi, j'avais fait de mes Canadiens un, un très très bon favori à la base parce que quand j'avais vu la team qu'ils avaient avec euh, Murray, tout ça, euh, tous les jeunes qui arrivent, euh, Christian Thompson, il euh, y avait euh, Olinic aussi, fin, des, des joueurs NBA. La cote était à 60 pour gagner le championnat du monde et voilà, j'avais anticipé, je l'avais prise. Puis au fur et à mesure, <laughs> tous ces joueurs-là ont déclaré forfait, comme mmh. tous les joueurs quasiment euh, stars de, de l'équipe américaine. Euh, et donc, forcément, euh, tout ça, ça a bougé, les cotes ont bougé. Euh, la cote américaine montée, donc vous savez maintenant les vases communicants, les autres ont baissé, surtout la Serbie. Ouais. Euh, et quand on parle, quand on fait l'émission, euh, là en ce moment, États-Unis à 1,8, Serbie à 2,5. Euh, parce que euh, euh, là, ils ont été amenés aux prolongations contre les Turcs, les, les Américains, Tatum en plus qui est on va dire leur euh, joueur euh, majeur là. avec Kemba Walker. Euh, quoi. Euh, oui, enfin ils sont 3-4 à vraiment ouais. à être plus connus. Euh, il euh, il s'est tendu la cheville, il est absent de match. Ah oh. Donc euh, voilà, euh, ça peut être préjudiciable pour pour eux, mais euh, voilà, je sais que quelques-uns avaient pris la Serbie, gagnent la, la Coupe du euh, le Championnat du Monde à 6. C'est une bonne, euh, bonne value, ça. Euh, bah, Quand on voyait la code maintenant. Donc voilà, mais euh, il fallait aussi être euh, sur son téléphone pour avoir les, les différentes notifications des, des forfaits des équipes. Parce que, je te dis, tout, tout a bougé. Et nos petits Frenchies, bah, avec tout le forfait des autres, bah, mine de rien, euh, ils peuvent Alors, tirer la époque du jeu. Voilà. C'est peut-être biaisé, mais je trouve que l'équipe de France a de la gueule sur ce tournoi. Alors Entre Gobert. Oui. Ouais. De Colo, Fournier, enfin c'est quand même une. Euh, Batum aussi, c'est une super. Bah, oui. Elle le, est propre. L'équipe. Le, le, euh, l'entraîneur allemand, parce que le premier match c'était Brest-Allemagne, euh, les Allemands dans le premier quart euh, c'est incroyable, ont marqué 4 points. 4 points. Mmh. un quart De 10 euh, minutes, c'est ça En, euh, en compétition. Ouais, et l'entraîneur le, le, a dit, mais, euh, mais euh, l'équipe de France. Euh, alors, à la meilleure défense du championnat. Bah, en même temps, le Gaubert n'est pas le meilleur défenseur de la NBA Voilà, donc il dit championnat NBA, normalement, hein, meilleur, meilleur championnat du monde, donc forcément, moi, tu deviens le. Alors, meilleur défenseur. Euh... Alors, attends que je me trompe, C'est pas meilleur rebondeur Non, meilleur défenseur. C'est meilleur défenseur Il me semble. Il... On, on... Oh, ouais, as raison, meilleur défenseur, c'est ça. C'est ça, parce qu'à chaque fois, il me... y, y a rebondeur aussi. Euh, mais euh, donc voilà, et de toute façon, comme au foot, comme beaucoup de sports, euh, ça se gagne par la défense. On oui, est d'accord euh, et donc là il y, y a quelque chose à faire euh, Fournier fait le taf aussi il y, y a quelque chose à faire euh, après il faut voir qui tu, qui tu vas croiser bah, Le podium est envisageable quand même sérieusement voilà. pour l'équipe de France quoi. Le Mais avec tous les, voilà, avec les forfaits je te dis euh, qu'il y qui, qui a eu dans, dans l'équipe des états unis euh, où ils étaient favoris quand on a fait la dernière mission à 1-20 je crois de, pas, je ne me trompe pas 25 bon ben bah, voilà ça n'avait plus lieu d'être après et euh, donc voilà il y a des équipes comme ça euh, Mais c'est vrai que la Serbie voilà, c'était un très très bon très très bonne outsider et Djokic euh, enfin voilà les mecs Bogdanovic c'est c'est très très bon joueur de ballon euh, donc intéressant à, intéressant à, à regarder tout ça euh, donc là pour faire un intéressant pro, à regarder mais très dur aussi pour se déterminer là à l'heure actuelle qui est le potentiel vainqueur de, de ce championnat du monde Franchement, les USA, ça va être compliqué quand même. Tu penses que les oh, USA ouais. vont avoir du mal à remporter euh... En fait, tu sais ce qui s'est passé contre même la Turquie avec Greg Popovich Ouais, mais tu sais ce qui Oui, mais en fait, il y a toujours un problème des USA, c'est qu'ils ont un règlement NBA, et ils viennent jouer en FIBA, et euh, ils se sont pris la zone des Turcs dans les dents. Défense en zone, ça ne marche pas. Euh, et là, bah compliqué pour, pour, pas pour trop compliqué un petit peu pour les non initiés tu rappelles défense en zone en fait c'est tu défends sur ton c'est la partie de terrain euh, donc dans, 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 dans ta zone en fait qu'on appelle ça ouais. euh, qui est composée de, de la raquette de, de la ligne à trois points et tout et, euh, et voilà chaque euh, chaque euh, joueur défend une petite zone en fait ça. voilà et ce qui n'est pas autorisé en NBA bah c'est voilà en NBA c'est plutôt euh, comment on appelle ça basket spectacle comme on va dire ouais. et d'ailleurs les, les, les grecs les grecs Tocumpo, euh, bah là pareil, ils sont pas, euh, ils survolent pas euh, les, les débats, si tu veux. Donc euh, ils sont, euh, voilà, il y a, tu sens que ça peut un petit peu, euh, il peut y avoir de, de la friture sur, sur la ligne. Euh, D'ailleurs, ils, ils ont perdu d'un point contre le Brésil. Euh, Brésil, pour, euh, pour les, les initiés, il y avait euh, Vareyao, Barbosa, je, 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 bon, surtout Barbosa, il doit faire un balai maintenant. Euh, mais ils ont réussi à battre les, les Grecs. Euh, donc voilà, il euh, y a des, des petites surprises comme ça. Euh, L'Allemagne qui est au tapis aussi avec euh, Schroeder. Euh, ils ont perdu contre la République Dominicaine. Finalement, les stars NBA ne sont pas du côté de la team USA. Quoi. Euh, non mais voilà c'est ouais. ça c'est et en même temps euh, je te dis les Européens sont en train de tirer leur épingle du jeu en NBA petit à petit. Hein. Ouais, euh, euh, moi ouais, je parlais de alors, Giannis euh... voilà mais un joueur qui est pas là parce que il a pas une grosse team mais Doncic euh, voilà pour moi c'est the future le futur uh, Altar aussi uh, qui, qui va arriver mais uh, la Lituanie en, en fait là on a quoi comme favoris euh, comme favoris euh, potentiellement qui peuvent gagner la Lituanie Australie France Espagne Serbie. Espagne, ouais, Espagne j'ai du mal à les voir quand même. Euh, j'ai un peu de mal à les voir quand même. Ils, ils vieillissent aussi un peu. Euh, je les mettrai un peu plus en, en retrait. Mais, euh, mais voilà, il je... y a, y a 4-5 équipes là. Et honnêtement, s'il y avait un pari, mais bon, c'est peut-être un peu tard maintenant pour le prendre, les États-Unis ne gagnent pas les championnats du monde. Je pense que ça peut valoir, ça, ça peut valoir sa, sa petite piécette. Et mais il y, euh... y a un autre pari aussi disponible c'est vainqueur sans les États-Unis. Celui-là, comment tu. Bah, là, si j'avais quelque chose à faire vainqueur sur les États-Unis, ce serait euh, la, la Serbie. Très bien. Et les codes de toute façon tiennent compte aussi des croisements possibles. Donc je pense que de toute façon, euh, il ne peut pas y avoir un États-Unis, euh, il peut pas y avoir un États-Unis-Serbie euh, avant euh, avant la finale. Et donc forcément, ça ça, ça, ça compte aussi quand, quand, tu les, quand tu fais les codes tu fais les des bookmakers. Donc euh, voilà. Mais c'est, euh, je vous dis là, le problème, c'est que les poules sont pas terminées quand on fait l'émission. Donc euh, il reste encore deux de poules. Euh, et d'ailleurs on a une heure inhabituelle pour faire le... Les, 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 les missions et les matchs là sont... On euh, va s'y habituer. Euh, voilà donc euh, il y a quoi un Sénégal-Canada et pour l'instant le, le Canada on arrive quasiment à la mi-temps il perd donc ça c'est aussi une surprise malgré l'effectif canadien qui, qui est plutôt une équipe B qu'ils ont là. Euh, voilà donc euh, ceux qui ont pris la Serbie et je sais j'en connais qui, qui, qui l'ont pris à, à 5-6. Là, vous avez une belle value dans les mains. Euh, et je pense que voilà, la Serbie va être minimum euh, médaillée. Et alors, après, arbitrage par arbitrage, ça vous verrez. Alors, arbitrage, rien à voir avec le football. Hein. Je vois que tu me fais des gros yeux. Euh, L'arbitrage, c'est voilà, est-ce que vous, euh, vous vous couvrez euh, euh, Vous prenez deux, trois autres équipes pour vous assurer un gain ouais. euh, Voilà. Donc, euh, c'est toujours, bon, euh, toujours bon à prendre. Euh, après, ça à vous de réfléchir. Est-ce que vous le faites vous ne le faites pas en fonction de. De, des, des, des paris qui vont arriver et des matchs qui, qui vont arriver, des confrontations comme... Est-ce qu'on prend les dernières confrontations directes en compte, par exemple il y a eu un France-Serbie en match préparatoire si je ne me trompe pas ben, Il suffit de, déjà d'aller regarder les teams, est-ce qu'ils ont mis une équipe B ou pas on en parlait en rugby tout à l'heure dans les matchs internationaux ouais. faut faire attention parce que euh, des fois tu mets une équipe C hein, comme c'est gargarisé pour France-Écosse, on en reviendra tout à l'heure en France où on les a tannés, bref mais, euh, mais donc faut regarder qui a joué, combien de temps ils ont joué euh, et on dit toujours que les matchs amicaux, faut pas en prendre co en compte. Moi, franchement, quand il y a des matchs amicaux, euh, quand ils je, sont surtout je, assez rapprochés, je, comme au je, voilà, je regarde quand même ce qui est en phase de préparation et les voilà. Tu, tu dis que les mecs ils, ils montent en puissance et euh, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans les confrontations directes. Je que je crois que nous on a, on a rencontré la Serbie, je crois. Hum, on a perdu. ça ouais. Et pas de pas beaucoup non hein. voilà pas c'est pour ça ça, ça peut euh, voilà il suffit nous maintenant ton pourcentage de tir la Serbie baisse et, euh, et là t'arrives à un match très très serré euh, voilà, toujours jeter un petit coup d'œil. C'est bon de savoir qu'il y a eu les matchs amicaux de regarder un peu ce qui s'est passé. Euh, ça donne une petite indication. Même si, on va te dire, ça reste des matchs amicaux et c'est pas comme la compétition. Et si vous, vous faites aussi, euh, si vous jouez dans différents sports et que en, en, en match de pré-saison, bah vous savez ce que c'est. Vous n'êtes pas non plus euh, pareil que quand c'est en compétition. C'est pas la même adrénaline. Voilà. Donc euh, euh, cette expérience-là aussi que vous avez vous. Bah les pros, pareil, c'est juste démultiplié, mais c'est exactement la, la même chose. Donc euh, euh, vous pouvez y jeter un œil, mais là... Euh, non, championnat du monde intéressant. Et je te dis, les cartes ont été euh, redistribuées, vu que les états unis euh, n'étaient ne, bah, ne, pas là. Et j'ai cru euh, voir passer aussi, je ne sais plus qui. Quelqu'un avait joué, euh, je crois, Brésil gagne euh, son groupe à 6. Il y avait la Grèce et ils ont gagné d'un point. Donc, ils ont seulement gagné le groupe. C'était... C'était bien vu aussi. Désolé, je ne je, je sais plus. Je, je lis tellement de choses et je vois tellement de trucs que je ne sais plus qui c'est, mais euh, c'était joli aussi comme, euh, comme Paris. Fallait l'oser quand même. <laughs> Fallait l'oser, mais c'était bien vu. T'en as parlé un petit peu. On sent que t'en as envie d'en parler. Et bon, on va parler de la Coupe du Monde de rugby. Yes. Euh, c'est dans. Ça commence dans une quinzaine de jours ouais. avec un match quand même d'ouverture. Pou, pou, pou. Un Japon-Russie. <laughs> <laughs> ça me rappelle un petit peu le match d'ouverture de la Coupe du Monde euh, de 2018 en foot, où c finalement ça. le, le Russie-Arabie Saoudite était un beau match. Après, avec euh... un petit 4-0, après, Japon-Russie va être intéressant pour voir l'ambiance qu'il y a à avoir pour ce premier match. Ouais, ce n'est pas un pays à la base de, de rugby, mais je pense que les stades vont être pleins en fait. Le Japon, si je ne me trompe pas, la dernière Coupe du Monde avait réussi un petit exploit. Oui. Qui a été, euh, été lavé en match amical euh, le week-end dernier. C'était contre de l'Afrique du Sud, non ouais. C'est ça ouais, Où ça. le Japon avait réussi à remporter à la, un match à, en Coupe à, du Monde Au dernier instant, ouais, euh, ils, ont battu du Sud. ils avaient battu l'Afrique du Sud. Pardon. Mais, euh, et ça, ça c'est toujours pareil. Enfin, Ce n'est pas une astuce que je vous donne, mais c'est toujours. Euh, quand vous avez eu quelque chose comme ça, hein, euh, où là, franchement, le, comment on va dire ça Est-ce qu'ils ont été la risée Est-ce que c'est un mot trop fort euh, Est-ce que c'est un mot trop fort euh, en fait, l'Afrique du Sud avait été un petit peu la, la risée de, euh, du monde international parce qu'ils avaient perdu contre le Japon. Euh, à l'époque, le Japon, c'était pas. Euh on va dire une grosse team. Enfin, on les a appris, on, on les a découverts à ce moment-là. Et puis, ils se débrouillaient plutôt, plutôt, pas mal, plutôt pas mal. Mais bon, voilà, quoi. C'était pas du tout prévu. Alors, ça a fait perdre. Beaucoup l'avaient mis, je pense, pour gonfler des, des combinés et tout ça. Bon, malheureusement, il y en a beaucoup qui, qui s'en sont, sont mordus les doigts. Mais là, vous avez ce week-end un, un Japon-Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est sa grosse team dire, je pense qu'ils ont un petit peu envie de laver la front quand même. Euh, de ce qui s'était pas rencontré depuis, de ce qui s'était passé. Il n'y a pas eu. Euh... Non, c'est peu, pas... bah ouais, peu probable en fait. Non, il n'y avait pas Bah oui, c'est peu probable. Le problème du Japon, j'imagine. En tant que parieur, ça doit être dur de d'évaluer l'équipe parce qu'elle doit, doit faire des tests matchs contre des grosses nations quand même régulièrement pour, pour pouvoir se jauger quand même. Bah, là, elle a gagné, je crois que la coupe, euh, c'est quoi, pas, pas la coupe d'Asie, mais ils ont, ils, ils ont fait pas mal de matchs euh, contre les Tonga, les Fidji. Oh, comment ouais. ça s'appelait C'est pas la, bah, la coupe du Pacifique, j'imagine que ça s'appelait comme ça. J'ai plus le nom, mais j'ai suivi des matchs. Euh, et donc euh, donc voilà, ils ont été des bah, Fidji aux Fidji, les Tonga aux Tonga, bon, voilà. et pas des petits scores, hein, 32 27, 34, 21. Bon, tu vas dire que c'est plus fort que la Fidji et les Tonga. Les Fidji sont capables de faire des, des exploits. Euh, D'ailleurs, ils nous avaient battus, je ne sais plus quand, là, il, y a, il y a pas longtemps. Euh, donc, euh, non, non, ça va être intéressant. Si pas en Coupe du Monde. Les Tonga... Euh... Ou les Même ma, ma mémoire flanche, mais je en... crois que c'était en Coupe du Monde, c'était un troisième match. En Coupe du Monde Oui, en... C'est pas en 2010. Il y a eu un match, y a un, 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 un match amical depuis, je crois qu'ils nous, nous avaient battus aussi. Et, euh, et voilà, donc, à Japon, Afrique du Sud, bon, les cotes, euh, les cotes pas terribles, mais euh, la cote a baissé à l'Afrique du Sud, mais je crois que vous pouvez la trouver à 1,09, 1,10, ça, ça valait le coup de mettre, parce que, ouais, il met de la grosse team. je pense que… Voilà. Alors, attention, le Japon a de noms, que le Japon en rugby, hein. Ouais, france la moitié... en 2011. Ouais, en 2011. La... Ouais, mais je parlais des Fidji, les Fidji nous ont battus euh, plus aussi, récemment. Aussi, euh, Dans l'équipe du Japon, il y a la moitié, euh, c'est des All Blacks. Ah. Ouais, c'est pas, c'est comme ça. T'as le droit, hein. c'est comme. C'est comme. Tu te rappelles l'équipe du Qatar de Hande C'est ça. C'est comme voilà. le Qatar en Hande, C'était en euh, 2017 Donc t'as le droit, t'as le droit. Y a pas de souci. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que c'est. Ils ont aussi augmenté leur, leur niveau. Mais non, ça va Comme être, le Qatar en foot aussi. Ça va être intéressant et le match... Et surtout moi, j'ai hâte de voir un petit peu le public au, au Japon dans, dans les stades il euh, bon, y aura beaucoup de, de supporters des équipes étrangères mais voilà je, je pense que la ferveur peut être là euh, on n'en voit jamais du football japonais mais euh, par le exemple rugby, dans, euh dans, dans, dans les stades euh, non je te parle du football dans ah les oui. stades il y, y a de l'ambiance il bah, y a Iniesta ah, d'accord il y, y a tout un passé il y a tout un passé Olivier Tom ouais. euh, d'ailleurs euh, le Japon c'est quand même long... tu parles de foot c'est quand même loin d'être une équipe de bracasser quand même hein. bien sûr tu... hein, rappelle-toi non, non. le Belgique-Japon 2-0 bien sûr récupéré euh, et je vois de plus en plus bon ça c'est une petite parenthèse mais de, de maillot de la New Team. Ouais. Mais je sais pas, ça, ça revient à la mode. Alors hein bon, là, est, on est complètement sur Japon, mais euh, tu il sais, y a un super maillot de l'équipe euh, du Japon avec euh, plein de, euh, ah, oui. de personnages d'Olivier Tom et j'ai eu la Tobo aussi. Ça, c'était Marc Bon, bref, ça, c'est pour les vieux, hein, parce que j'ai eu mes 40 ans là, au printemps l'an dernier, donc euh, voilà, c'est pour les vieux. Euh, tous ceux qui ont euh, en, en dessous de 20 ans, hein, ça va être compliqué de, de comprendre ce que oh, j'ai. Ah, de ça quand même. Ouais, mais tu vois, ouais. ça a changé de nom déjà. Euh, donc, bref, pour revenir au rugby, euh, ouais, très, on, alors, la Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a fermé boutique et qu'on est revenu alors, tout le monde s'est gargarisé d'un super France-Écosse où on leur avait mis la raclée à la maison. Seulement, pour les initiés, quand vous aviez regardé l'équipe d'Écosse, c'était l'équipe B, B', voire C. Okay Hop, la semaine d'après, match mmh. en Écosse, on perd. Bah oui, les gars, seulement ils avaient mis la vraie équipe d'Écosse. Tu nous fais une transition <laughs> vers une de mes prochaines questions. France-Argentine, samedi ah. 21 à 9h45. Euh prépare les mouchoirs Alors, non mais tu vois, et ça c'est un fil rouge, tu te souviens qu'on en avait parlé Mais oui. Ou je t'avais oui, dit que la France oui, était vraiment... Euh, Peut-être en, euh, en mai ou en ouais, juin on en avait était, causé. Ouais. Était vraiment favorite et tout, machin. Et ça s'est rééquilibré le, le, le match. Donc la côte de la France, elle a monté, l'Argentine, elle a un peu baissé. Et, euh, et voilà, donc je pense que l'ouverture du match avait du 50-50 comme j'avais prévu. Alors... Avec un gros ticket celui qui gagne là, euh, ah bah, voilà, euh, gros ticket il est va. pour la deuxième place quoi. Ah bah il y va, oui, c'est sûr qu'il passe. Je pense que ce sera pour la deuxième place. D'ailleurs il y a un pari intéressant. l'Angleterre gagne sa poule. Euh, je crois que c'est encore du 1,40. Franchement, quand tu vois les matchs, on joue pas dans la même division. Enfin de toute façon les Français le disent. Ouais. Quand tu vois les matchs de l'Angleterre là contre, contre qui ils ont joué, Pays de Galles ou l'Irlande ah, L'Irlande, contre l'Irlande. Bon bref, t'as compris l'histoire. Euh, mais euh, alors j'ai un petit bémol. Euh, je, je voyais vraiment les Argentins nous battre. J'ai un petit bémol parce que j'ai l'impression que le parcours des Jaguars, qui euh, c'est l'équipe en fait, euh, c'est la, la franchise, comme ça qu'on dit, euh, en Super 15, euh, donc c'est le championnat d'hémisphère sud, euh, qui est quasiment l'équipe d'Argentine et qui joue en Super 15, qui a fait la finale cette année contre les Crusaders, j'ai l'impression qu'ils sont rincés les mecs. J'ai l'impression qu'ils sont au bout du rouleau. Donc ça, ça s'est vu sur les ouais, derniers de matchs. Prépara ouais, préparation. Ouais, 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 ouais. Tu as, as ressenti ça ouais, euh... Qu'ils étaient rincés pour, pour pour avoir regardé un petit peu. Et je suis pas le seul. Hein, dans tout ce que tu dis, c'est ce qui en ressort. Alors après, je me Parce dis ça contrebalance avec l'objectif des Français qui est au moins sur ce tournoi de se qualifier pour la phase euh, phase éliminatoire. Quoi. Ouais, mais les deux là, les deux France Argentine, c'est ce qui veulent. Mmh. Enfin, on sait très bien que l'Angleterre y sera. Euh, mais j'ai un. Je suis en train de me dire. Que ils avaient, enfin, dans leur préparation ils ont dû voir que les jaguars euh, fonctionnaient et tout. Et je me demande si les Argentins, comme je dis, ça ce fameux instant T, c'est-à-dire le, le jour J en fait où tu vas être au top, voilà. Là, je serai les Argentins, je ferai une préparation optimale pour déjà ce match de poule, tu ouais. vois, pour euh, voilà, parce qu'après les matchs de rugby t'en as un par semaine. T'as vu tous les matchs que t'as, t'as as, as, as le temps de de un autre pic de forme plus loin. Euh, <laughs> et je me demande. Si euh, l'Argentine va pas être au top physiquement ce jour-là, même s'ils sont un peu cuits, et un peu rincés en ce moment, parce que ce qui est normal pour beaucoup d'équipes, parce qu'ils font une grosse prépa, hein, grosse prépa physique pour pouvoir tenir. Euh, je me demande si l'Argentine n'est pas un porteur retard là-dessus et qui, voilà, il y, y a donc là il y a les derniers matchs internationaux, je crois que c'est cette semaine que je dis pas de conneries. Et après, il jouent plus jusqu'à la Coupe du Monde. Et je me demande si l'Argentine, voilà, va pas euh, va pas monter en, en fraîcheur entre guillemets en, en puissance. Et on peut avoir une, une surprise. Par contre, ils ont laissé des, ils ont laissé des quelques joueurs comme Mimov sur le carreau. Bon, ça, j'avoue que j'ai pas compris. Beaucoup de, de spécialistes n'ont pas compris non plus. Euh, et ça me chagrine un peu parce que je pense qu'elle était plus forte avec des joueurs comme ça. Donc France Argentine, 9h15, samedi matin septembre. On note sur les agendas. Euh, tu peux préparer une boîte de Kleenex. Euh, même si j'espère pas. Parce que si on perd ce match-là, bah, pour nous, la Coupe du Monde, bah, elle perd de l'intérêt quand même. C'est ça. Euh, ça me et, et surtout qu'après, ça peut être encore. Euh, parce que bon, y... les USA, normalement. Euh, Benoît. Bah bah voilà. Par non. contre, après, il y a Tonga. Bah non, non, fera. Non, mais c'est arrivé en 2011. Oui, oui. je sais. C'est plus. Je les sais, plus ton gars de. Non mais quand tu vois les, les matchs aussi de prépa des Tongiens, c'est euh, bah, parce qu'on dit Tongien. Euh, donc euh, donc voilà, c'est non mais me regarde pas comme ça c'est sûr. Euh, donc euh, non non ça va le faire et euh, non non mais c'est le match charnière quoi c'est et, et, et comme il y a un match charnière Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Ouais. tout de suite bam premier match boum euh, là l'Afrique du Sud elle est cotée euh, pff, pardon la Nouvelle-Zélande elle est cotée euh, à un combien c'est un, un 35, euh, qui je dit pas de bêtises et, et j'ai l'impression que c'est euh, euh, intéressant d'accord pour, euh, pour les All Blacks il euh, euh, voilà ils vont sûrement mettre une charnière euh, Barrett Smith euh, qui pour moi euh, est voilà, au monde. Euh, bon, allez, je me lance peut-être la, la, la meilleure au monde. Euh, et, euh, et voilà, et malgré que les, les Africains du Sud ont l'air très très costaud physiquement, j'ai du mal à voir la, les All Black perdre le premier match. Donc, euh, voilà ça pourrait être dans, dans, un, dans un combiné, là, à, à moyen long terme. Mais, euh, ouais, il y, y a des matchs intéressants. Alors, je parle des paris après ou je l'enchaîne maintenant ah, euh, moi j'avais juste une petite question, question. pour clore le dossier Coupe du Monde. Oui. Euh, Japon, pays organisateur, peut-il oui. se sortir de, de la poule A En compagnie de l'Irlande, l'Ecosse, la Russie et les bah, Je vais hein. te dire que de toute façon, l'ancien charnière ça va être été... Japon-Écosse. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on euh... pense de celui-là Et quand je vois le niveau de l'Ecosse en ce moment. Avec leur équipe A, <laughs> bien sûr. <laughs> je me dis qu'ils peuvent... Ils peuvent les taper. Le Japon peut taper les. J'ai hâte de voir les cotes. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir les cotes et, euh, et je pense que je m'orienterai vers un handicap alternatif euh, euh, Japon. Comme pour France-Argentine, je m'orienterai plutôt vers un handicap alternatif Argentine. Parce que De toute façon, je ne pense pas qu'une des deux équipes est une branle à l'autre. Euh, voilà, il y, y a sûrement quelque chose à faire de, de ce point de vue-là. Mais je, ouais, c'est une probabilité, il euh, faut juste voir les cotes. Pour, ouais. pour moi, le, ils mettront les cotes favorites. Euh, ne serait déjà par, par le classement mondial, euh, ce qui peut être une erreur de leur part, mais euh, ouais, je, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de prendre un handicap euh, alternatif, hein, parce que les cotes elles vont pas être non plus très très, enfin euh, elles vont être euh, assez larges entre les deux. Euh, donc il y, y aura moyen de faire quelque chose, mais euh, un, un plus 10 plus 12 euh, Japon, je pense que ça peut le, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Bien. Donc euh, voilà. Euh, et ensuite, je te dis, euh, qui est favori de la compète euh, Les Anglais sont impressionnants quand même. Pour, ouais. pour, 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 alors, les Anglais, tu me dis, ils sont impressionnants. Euh, ça euh, du pâté. Une victoire à 5. À quoi À 5. 5-10. Une victoire de, de l'Angleterre. 5,10 Ouais. Ah j'ai pas compris ce que tu me disais. À 5,10, bah écoute, euh, alors il y, 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 y a un pari à prendre. Une victoire sans Nouvelle-Zélande euh, Non, ce serait pas ça. Ce serait euh, en gros. Euh, après, c'est un big Il hein. faut, faut utiliser son sa calculette euh, de, de, de réducteur de mise ou euh, euh, voilà pour pour pouvoir ré, de répartiteur de mise, pardon. Voilà, J'avais perdu mon mot. Euh, ou tu peux faire quelque chose. Et moi, j'aime bien faire ces trucs-là. Euh, tu peux faire en gros euh, la, la Nouvelle-Zélande gagne, par exemple le, la Coupe du Monde, remboursé si l'Angleterre. Intéressant. Mmh. Vu que la cote de la Nouvelle-Zélande, tu peux la toucher, c'est certain, de 30, de 40. Euh, voilà, si tu fais, sachant que l'Angleterre est à la 5-6. Euh, mais après, pour tu peux aussi faire, la Nouvelle-Zélande gagne et rembourser si l'Afrique du Sud. Enfin, après, tu vois, tu rajoutes une autre team pour, voilà, s'il y a une surprise, un truc, ou tu peux même en même deux, Nouvelle-Zélande rembourser si, je ne sais pas, Angleterre ou Irlande. Et arrives quand même, je pense, à avoir une cote à... C'est en dessous de 2, hein, la, cote, euh, la cote globale, mais euh, tu peux quand même avoir une cote intéressante. Si tu me laisses deux secondes, je vais te dire combien... Vas-y, Brod... Euh... Ouais. <laughs> C'est sympa, non, non, merci. De toute façon, je veux... Mais on, on, on en reparlera On en reparle un petit on... peu plus tard. On va peut-être clore, en tout cas, euh, la partie Coupe du Monde. On reviendra là-dessus, sur cette question-là ouais. Je te vois calculer, c'est magnifique. Bah oui, euh, oui, mais les, alors, les les déjà, regarde. Non, non, mais je te montre, je le fais vite fait. Euh, si tu prends, euh, peu importe euh, que, que tu gagnes la même chose, si tu prends euh, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, voilà, je t'ai pris euh, comme ça. Ouais. Euh, si tu répartis, euh, enfin, pas équitablement, mais en fonction de la cote, t'es mise, tu t'en sors avec une cote globale de 1,40. T'as quand même Nouvelle-Zélande, Angleterre, Irlande, ce qui n'est pas dégueu. Là, j'ai mis si euh, tu gagnes la même chose surtout. Mais si tu prends euh, la Nouvelle-Zélande, remboursée si l'Angleterre et l'Irlande, ta cote, euh, elle, elle, elle grimpe à, je pense, à 1,80, quelque chose comme ça. Bah, euh, C'est pas dégueu. Enfin, ça, reste, euh, ça reste intéressant. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc voilà, il y a, y a peut-être quelque chose à, à gratter de, de ce côté-là. On en reparlera. Mais bon, j'ai mis une petite graine dans votre tête là, et, euh, et ça peut être... Non, mais ça peut être un truc, les gens n'y pensent jamais comme ça, mais euh, ça te permet de te couvrir, et, et peut-être s'il y a une surprise de... de... Bon, Bien sûr, je n'ai pas mis l'Afrique du Sud dedans, parce que si tu prends tout, ça ne sent plus à rien. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose à faire euh, forcément euh, sur, euh, de ce côté-là. Et j'avais vu plein aussi de Paris rigolo, enfin rigolo, fun, sur est-ce qu'il y aura un match à plus de 100 points Est-ce qu'il y aura un match à plus de 19 et... Euh, pas 19 et un match à plus de 16 essais. Euh, le match à plus de 16 essais, j'ai du mal à avoir un match à plus de 16 essais parce que pour regarder les historiques... Bah, les petites équipes, comme ouais, dans mais même, beaucoup d'autres sports aussi... On, on, se prendre des branlées. On, on, on Améliorer leur niveau Alors, aussi. Il y a un pari comme ça. Je crois que la cote, euh, euh, non, elle était à 1,50. Je t'explique. 16 essais, match dure 80 minutes. Ça fait un essai toutes les 5 minutes. Excuse-moi, mais un essai tous les cinq minutes au rugby Alors, Je veux bien, hein, quand tu as une équipe qui prend physiquement le, euh, prend physiquement le, le dessus sur une autre, euh, style une équipe, la Namibie, forcément, ça peut craquer, la Russie aussi. Mais je ne suis pas sûr, et ça c'est une réflexion perso, mais je ne suis pas sûr que les entraîneurs, euh, à un moment donné, ils vont faire aussi du turnover et, euh, et je suis pas sûr que les grosses teams, le but du jeu, c'est de, euh, de coller 16 essais, 17 essais à une équipe. Non, il faut qu'ils se préservent, il faut qu'ils évitent des blessures. Euh, à un moment donné, quand tu as le score, eh ben, tu vas peut-être aller moins au charbon parce que voilà, tu vas faire tourner la babale. On n'est pas au foot, mais voilà, tu, tu, tu vas faire des rugs, tu, 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 tu vas essayer de garder le ballon, manger le temps pour pas prendre trop de risques. Et, euh, et j'ai du mal, franchement, à voir un, un match à plus de 16 essais. La cote était à 50. Alors, je ne sais plus c'est quel bookmaker c'est. Mais je l'ai vu, donc euh, ça, peut être, ça peut être, intéressant et, 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 et des matchs à moins de 100 points ou des trucs comme ça euh, aussi, euh, aussi ça peut être intéressant. Ah oui, il y a une équipe aussi. Est-ce qu'une équipe ne marquera aucun essai Ah ouais. Tu vois euh, Est-ce qu'une équipe Est-ce que dans un match il y en aura Est-ce que dans un match de la Coupe du Monde au moins un match il n'y aura aucun essai ouais. Ah bah tu vois, tu peux te poser la question. Alors je... euh, juste pour ah, faire pardon, un point de stat. Euh, tu parles des essais marqués par une équipe. Euh, le record, c'est 22. C'est l'Australie contre la Namibie en 2003. Donc, 2003 ça, ça commence à dater. Attends, tu vois, 21 essais. Ensuite, euh, la Nouvelle-Zélande l'avait fait contre le Japon. C'était en 1995. Ça commence à dater. Euh... Le plus récent, c'est quoi, vas-y Alors le plus récent, 16 essais, c'était en 2007. C'était la Nouvelle-Zélande contre le Portugal. Ça apporte ben, de loin, mon Tu T'as vu que maintenant, dix ans après... Les petites équipes sont oui. plus fortes, enfin voilà, les grandes équipes sont aussi dans la gestion parce que c'est beaucoup plus physique les matchs et tu n'as pas envie de te faire péter un joueur contre la Namibie mm. ou la Russie parce que de toute façon, tu vas gagner dans la foot. Excusez-moi le terme. mais Et je pense que là, les bookmakers sont vraiment gourrés. Je vois pas... Mais il y a plus de grosses têtes en fait, je regarde un truc comme ça vite fait. Mais ce qui est qu logique. Point marqué par un joueur, euh, tu as eu un record à 126 points, euh, C'est un joueur de la Nouvelle-Zélande, c'était en 87, c'était pour la première Coupe du Monde. Ensuite, tu as eu Wilkinson, 113 points sur une Coupe du Monde, 2003. Euh, les trucs, les records datent au plus récent de 2007. Ben oui, mais c'est pour ça. Bon, après, la Coupe du Monde, c'est sous les 14 ans, si tu veux dire. C'est pendant la Coupe du Monde ou pas pendant la Coupe du Monde Je parle de Coupe du Monde. Hein. D'accord. Après, tu vas me dire, ce qui me met le doute, c'est que j'ai eu un Italie-Russie, il y a eu 85 à 15 c'est la Russie, peut-être, l'équipe la plus faible de, de cette Coupe du Monde. La voilà, Namibie, ils sont pas mauvais aussi. Ils ne sont, sont pas très très ouais. bons. Mais euh, j'aurais un doute sur cette équipe euh, russe. Après. Euh, bah pour que la côte soit quasiment proche de zéro pour le, euh, pro, proche de 1 pour, pour, pour le Japon, euh, c'est qui Oui, parce que parce très très que parce que, parce que dans la poule, ce n'est pas le Japon les plus forts. Quand tu vas te taper un Irlande-Russie ou un Écosse-Russie, surtout l'Irlande-Russie, qu'est-ce qui va se passer alors, petit indice, quand vous regardez ces matchs-là, il suffit de regarder aussi euh, de regarder quand est-ce que la Russie joue les deux grosses teams, l'Irlande et l'Écosse, pour savoir si euh, bah, l'Irlande aura besoin de se. Enfin, est-ce qu'ils vont se donner à fond ou pas et euh, de ce que j'avais regardé, euh, ça pouvait être intéressant, parce qu'il se jouait plutôt en fin de poule. Et, euh, et je m'étais dit que l'Irlande, euh, comme l'Écosse, ne euh, voudront pas se cramer en fin de euh, comment poule pour garder la, la fraîcheur. Donc je me dis, voilà, ça peut être... Euh, je ne les vois pas leur tanner 100 points. Mais je te dis, j'ai le doute avec l'Italie qui a quand même collé euh, 85 <laughs> points à la Russie, alors que c'est de l'Italie. Bref, ah, oui, euh, oui, oui, oui. Tu ce que je veux dire ouais. euh, Malgré son match de préparation, euh, <laughs> c est, c est, voilà, je, ça me fait un peu peur. Tu as l'Uruguay aussi, mm -hmm. bon, même si l'Uruguay, ils sont habitués à la Coupe du Monde. Euh, voilà, donc, euh, mais j'ai beau tourner le, le problème dans tous les sens. La Roumanie pas fait pas partie de cette Coupe du Monde bah coup. Non, parce qu'il y a eu un problème. Ils se sont fait disqualifier, tu sais. Euh, ah ouais. Ils jouaient contre, je ne sais plus qui, la Belgique, je crois. Ils s'étaient fait disqualifier. Donc, euh, non, non. Et les Géorgiens sont là aussi. Euh, Gorgodze revient. Gorgodze, le joueur emblématique de, de Toulon. Euh, Géorgien. Et, euh, et je me rappellerai toujours, parce que la Coupe du monde, j'avais déjà été voir à, à Dublin, All Black Géorgie mon frangin de pote et euh, je, je leur avais fait découvrir en fait euh, les shops la de Brox et tout là bas et euh, j'avais pris un ticket euh, un handicap alternatif sur la géorgiste une cote à cinquante mais le handicap était, était énorme à 40 ou 50 points et il était on était il, était il était resté dans les clous en fait donc j'avais gagné et, euh, et voilà et c'était un, 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 un super moment un, un... bon c'était pas le plus gros match de rugby ah, t'as le... vu les Blacks jouer voilà le haka et tout en dire non non mais ouais. voilà et au Millennium qui a un de stade, allez, euh, après les Dun Park euh, à, 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 à en Nouvelle-Zélande, voilà, que, que je voudrais faire un, un jour. Mais le Millennium, bon, ça c'est fait. Euh, donc voilà, c'est euh, une petite anecdote, excusez-moi, hop, je prends la parenthèse. La je digression, jour, mais non, mais t'as le droit, euh, t'as le droit, t'as le droit. Donc on, ton en émission. on en reparlera, ce sera le fil rouge de la ouais. Coupe du Monde, euh, comme tu dis. Euh, Parce qu'en plus, bon, hey, le rugby, c'est un petit peu, hein, c'est ta spécialité aussi. Ouais, j'aime bien. Là, le début de championnat, c'est pas mal placé. Euh, petite info en Paris long terme, j'avais pris Lyon top 6, comme apparemment beaucoup de monde. Et je me suis pris aussi un Lyon gagne la phase régulière. Euh, pourquoi parce que beaucoup d'équipes de grosses teams ont beaucoup de joueurs en Coupe du Monde, alors ils ont beau avoir des jokers, mais c'est maintenant que que ça peut jouer en fait ah la ouais, fin de saison. Ce truc complètement débile quoi. C'est ça, ça, ça aide pas non plus. Euh... Alors que les Anglo-Saxons, leur championnat commence pas encore, hein. ils ouais. attendent un peu. Quand même. Non mais c'est incroyable. Enfin c'est un truc qui paraît complètement délirant quand tu suis plus particulièrement le foot quoi, quand tu regardes toujours le rugby d'un oeil un peu extérieur quoi. Mais ça te permet de <laughs> quand es parieur de tirer ton épingle du jeu. Bah ouais. Mais ça, c'est intéressant. Ça n'empêche pas d'être débile quand même. <laughs> non, non, mais on est d'accord. Mais euh, donc voilà, il a... voilà, donc ça, c'est un truc que j'y crois fort. D'ailleurs, Lyon, pour l'instant, c'est deux, deux, deux matchs de victoire. Ça sera plus compliqué ce week-end. Ils vont, en, ils vont en déplacement à, 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 à Toulon, je crois. J'ai je pas de conneries. Bref, donc, euh, mais ils sont bien capables aussi de, de réaliser quelque chose, quelque chose à, à, à Toulon, ou du moins ramener un, un, un point, un, un point de bonus défensif. Au Minimum. Voilà euh, pour la, la Coupe du Monde, ce ouais. sera le fil rouge, hein, on, on en reparlera. Il y a encore des matchs internationaux ce week-end, il peut y avoir des ça. blessés, ça peut changer des choses. Euh, voilà, euh, et je prie un jour pour que la France en ait un bon buteur, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de nos pourcentages de merde au, 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 aux pénalités, aux transformations. Il faut remonter à camp pour trouver un bon buteur non, en équipe. De mais France. ça me saoule. Franchement, euh, c'est bon les gars, quoi. Un buteur, toutes les équipes ont des super buteurs. Euh, une enceinte qui me vient en tête, c'est Ledlow en Écosse. C'est régulier, ah, c'est bon, c'est un bon pourcentage. Mais nous, on n'est pas capable de faire ça, quoi. Et, que, mmh. et quand tu sais que euh, les pénalités dans un match de Coupe du Monde fermé, euh, bah, tu fais la différence là-dessus. Ah, ça me saoule. Bref, allez, on enchaîne. Alors, on avait prévu une petite, euh, une petite page foot, mais je me yeah. dis, mais là, l'émission, elle est quasiment là où on fait. Euh... Déjà cramé, merde. Ouais, c'est ça. Euh, on va oh, garder le, le foot pour la semaine prochaine. Oui, avais oui, peut-être oui, oui. un, un petit. Allez, ton petit, le point Kosovo. En éliminatoire non, 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 de dans Non, 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 mais parce que je vous en avais parlé et, et là, ça va arriver. Voilà, je peux en, en reparler 15 ans. Voilà, c'est que, euh, comme je vous dis, cette équipe-là, je l'ai repérée de, de, depuis très, 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 très longtemps. Euh... Alors, contre qui joue le Kosovo ce week-end? Euh, bah, je t'ai dit, c'est le match un petit peu, euh, un petit peu euh, charnière, on, on va dire, et euh, ils affrontent la, la République tchèque, euh, donc c'est un match, euh, je ne peux pas dire à la vie... Euh, ça ça se passe où euh, bah, Ça se passe où Ça se passe au Kosovo Ouais, non, d'accord. Oui, euh... Ah, tu veux la ville non non mais non je, je, je veux que tu me fasses le contexte du match. Bah Kosovo République Tchèque euh, 3-10 3-10 euh, 2-40 euh, voilà les cotes hein, que je te donne ouais. euh, qui ont baissé hein, d'ailleurs. Euh, un Kosovo. bon match nul remboursé du coup. Euh... Euh, franchement alors. J'attends euh, la compo des équipes, parce que je, je t'avoue que je n'ai pas encore été euh, euh, fouillé et, et regardé. Euh, tout dépend dans, dans, dans quel club ils jouent, les préparations qu'ils ont et tout ça. Euh, mais euh, voilà, c'est je sens qu'il y a, y a un truc à faire. Alors, sur le papier, normalement, la République tchèque est, est favorite. On, on, on est bien d'accord. Mais euh, les derniers résultats euh, kosovars. Euh, me plaisent bien. Voilà, je sais pas pourquoi je, vais pas dire que je suis tombé amoureux de cette je, équipe, je, mais je comprends pas pourquoi je, je m'étais. Euh, bah, si, je, je sais parce que c'était quoi la, la coupe toute pourrie là euh, euh, pendant l'été là pour occuper les gens de la foot. Ligue des Nations. Voilà, avec différentes poules, c'est ça. Et en, ouais. en gros, tu avais les poules des nuls, et, et je crois que le Kosovo était dans la poule des nuls, et qu'ils avaient gagné la poule des nuls. Et je m'étais dit, mais le Kosovo, le Kosovo, ça joue au ballon. Hein. J'étais invité à voir les joueurs. Et pour l'instant, le Kosovo en poule, ils ont fait 1-1 contre la Bulgarie au Kosovo, 1-1 au Monténégro. Ils ont été gagnés en Bulgarie 3-2. Excuse-moi, c'est pas dégueu quoi. Mais ouais. Hein Donc euh, je me dis. Euh... La Hongrie avec son gardien en pyjama. Ah non, je crois qu'il Non, a non il a, il est parti. <laughs> euh, non, non, il est parti à la retraite. Mais euh, voilà, avec euh, voilà le Kosovo, ils ont des joueurs qui jouent, euh, qui jouent en Turquie, euh, qui jouent en Suisse. Euh, de, de tête, il y a quoi Il y a, il y a Bale. Euh, il doit y avoir Fenerbahce aussi euh, euh, en, en championnat. J'allais dire en première ligue, mais c'est plus en première ligue parce que parce que est plus en première ligue euh, en Allemagne. Bon là, euh, ce qui me fait. Ah, t'as du. Eh, t'as Berisha. Ce qui, ce qui me fait chier, c'est. Euh, Berisha qui joue pardon, à Lazio. Euh, ouais, mais je me demande s'il n'est pas, euh, pas blessé ben Je ne sais pas. Il euh, y a Rachika. Ça, je regarde fictifs, il te ah, Rachika qui joue à Brême. Euh, et ça me m'embête parce qu'il est blessé. Et c'est quand même un des joueurs, euh, un des joueurs que, que j'aime bien. L'année voilà. dernière, il avait quand même ses 26 matchs pour 9 buts avec Brême. Ce n'est pas dégueu. Et je crois qu'il s'est blessé. Euh, et ça j'aime pas trop donc c'est pour ça je dis, il, il faut que je creuse parce que si j'ai un ou deux joueurs du Kosovo qui, qui sont la pierre angulaire qui sont pas là je zappe hein. d'accord donc euh, regardez si Rachika joue pas alors je vous dis si Rachika joue pas euh, j'ai plus de doutes Franchement, j'ai plus de doutes, c'est leur meilleur terrain. Euh, il joue au ballon. Euh, j'ai vraiment plus de doutes s'il n'est pas là. Donc, regardez quand la, 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 la compo va, va sortir. Mais il s'est blessé. Euh, euh, il s'était blessé, là, en début de saison, euh, en Bundesliga. Euh, et je ne sais pas s'il si l'aurait récupéré. Donc, euh, donc, faites gaffe à ça, parce que c'est quand même euh, un joueur très important pour. Euh, Très, imp très important pardon, pour, pour eux. Euh, donc voilà, mais il euh, y, a, y, a, y a sûrement des petites choses à faire. Euh, après, euh, plusieurs ouais, choses. Donne-nous quelques infos en, en sport. Euh, euh, Hirscher, Marcel, ski alpin. Et je m'en veux, mais bon, à un moment donné, tu as aussi une vie de famille et tout. Je l'ai repéré depuis un moment. Euh, je m'étais dit, au fond de moi, j'étais sûr qu'il allait prendre sa retraite parce que de toute façon, il n'avait était... même pas fait de préparation physique pour l'instant. Il avait reculé d'un mois Grumpy, sa... sa décision. Non, non, plus. Euh... Non, non, plus. Non, il a plus 30 piges. Et euh, je pense que ce pas 34, <laughs> de mémoire. <laughs> Pardon. Et, euh, et j'avais du Christopher Sen, du peintureau à 6 derrière. J'en ai parlé à un ou deux amis par ailleurs. Et il y a eu la rentrée des classes. Bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais euh, ma, ma, ma femme a changé de taf aussi. Et, et ça a bouleversé pas mal le champ de la famille. Et, et j'ai totalement zappé qu'il allait le dire là euh, hier. Marcel et... Hirscher, quel âge 30 ans. Ah, tu vois, j'allais dire 34, je pensais qu'il était plus vieux. Et, mais il a tellement tout gagné, euh, en fait, il a commencé super jeune, c'est pour ça que, voilà, 30 balais. Et, euh, et, et j'ai zappé, franchement, ça c'est une faute professionnelle de ma part, euh, j'avais oublié de me mettre une, un rappel sur, sur mon téléphone. Et, et voilà, et il a euh, dit qu'il allait en retraite, et Pinturo et Christophe Orsen sont à 2,5 maintenant. J'aurais eu des codes des 6, et... Bon, non. bon voilà, donc ça fait partie des... <laughs> Les regrets <laughs> de l'été. Voilà. Bon, hein, ça, c'est ça, ça passe. Euh, J'espère que ni peinture ni Christopherson gagneront comme ça, je n'aurai pas de, de regrets. <laughs> Pardon, euh, je vous avais parlé, je crois aussi de lui. Euh, j'ai passé une petite, une petite cote à 81 là, pendant l'été. Euh, Remcovenpool gagne la Sainte-Sébastien. dit je modestement Je t'ai montré le ticket. Ouais, je ne dirai dirais pas la somme et je ne dirais pas le truc, mais toi, tu, ouais, tu, tu, tu l'as vu. C'est beau, x80. Ben, x80, <laughs> <laughs> voilà. Euh, mais bon, de toute façon, j'étais limité sur, sur le book où j'ai joué. Euh, et euh, mais voilà, euh, futur Eddie Merckx, j'ai pris gagne le Tour de France. Je crois que la cote piges. est, à, les, 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 les cotes étaient à 105 je crois qu'elle est passée à 20 parce qu'il y a un doute du fait que c'est pas sûr qu'il le fasse euh, cette année le Tour de France, il le fera peut-être l'année d'après. Bref, en tout cas la value était là, très content d'avoir pris ça euh, et puis. Euh, et puis, bah merci aussi à Vincent par rapport à Benkich. Ouais, que euh, quand, quand on faisait un début de saison par rapport au tennis, voir un peu qu'est-ce qui pouvait arriver. Mon euh, Benkich demi-finale US Open. Je ne vous cache pas que j'ai pris aussi du Serena à 6 hein, euh, en début d'US Open euh, parce qu'elle s'était fait une prépa physique quand même. Et là, elle arrive en. En demi contre Vitolina, bon, Ça peut-être pas été évident là, mais, euh, mais bon, voilà. Après, il suffit de faire un petit arbitrage pour, pour prendre un, un joli billet, quoi qu'il arrive. Euh, voilà, euh, quoi d'autre Bon, BBH, on suit, ça suit son cours. Le stade brestois, voilà. Bon, euh, honnêtement, je pense qu'on ne descendra pas. Ah, oui, euh, Vas-y. Mon charbonnier contre Reims ah oui oui là où il a planté j'étais au match hein, jusqu'à 85 c'était pourri bon après il a marqué donc on va dire que la note augmente pour nous euh, qu'est-ce qu'il y en a d'autres bon Nadal il file hein, par rapport à l'US Open vu qu'il n'y a plus grand monde il y a plus grand monde, plus grand monde en face. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme ça pam, pam, pam. Mmh. Oh bah On a les championnats d'athlétisme aussi qui devraient se rapprocher. Voilà, alors là, je n'en repars pas. pas, je, pas, je, pas en non, nous... non, non, Mais on en reparlera. T'inquiète pas, t'inquiète pas. On, a, on fin, a déjà une bonne émission. C'est à la fin du mois, on en reparlera. Et, euh, et je vais m'y mettre très, très sérieusement, je pense, d'ici une petite semaine. Les émissions de rentrée, il va falloir les prévoir, les faire en douceur. Je pensais que tu vas commencer tout doux. Ah, bah euh, mais vu, vu qu'on qu a rien dit pendant un mois, et demi. un mois et demi, on a envie de, non, non, mais il y aurait plein de choses à, à, à dire sur pas mal de choses et des PLT que j'ai fait. Euh... Oui j'en ai fait plein forcément parce que c'était le, 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 le moment. On en avait parlé, hein, j'ai vu que certains avaient pris, euh, avaient pris des PLT intéressants. Il euh, y a déjà eu un pour Juve Champion, il y a déjà eu un bon bon match Juve Naples, un truc de fou. Ouais. 3 2 pour la Juve. Mais je me méfie quand même de Naples, euh, qui, voilà, qui, qui a une bonne team. Euh, et puis on n'a pas parlé de Neymar, parce que tout le monde en a parlé. Hein. Ouais non mais on s'en euh, hein, euh... bat les, les, <laughs> <Voilà>. les steaks. <laughs> Juste ce matin, avant de venir, j'ai vu qu'il avait pleuré quand... quand il est pas allé au Barça. J'ai hâte de voir le premier match que ça va donner. Ça va être rigolo. Non, mais tu vois, le documentaire que Griezmann a fait avant la Coupe du Monde, tu sais, sur son pas de transfert au Barça. Ouais, c'est plus bah, ça aurait dû être Neymar là cet été. Ouais, à ça, final, là, ça, été. Sur Netflix, ça va faire un truc en 4 saisons. Quoi. La Casa del Papel, parce qu'il va jouer dedans. Euh, apparemment. Ouais. Ah, non Mais c'est con qu'il aura un masque. Non 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 ça non, non, non on saura pas que c'est lui mais j'ai pas me dit de rien sur cette série parce que j'attends qu'elle soit finie pour la regarder dans une fois voilà euh... et puis et puis bah écoute euh... <laughs> non non qu'on pas que les gens fassent faim. du teasing en dessous de la vidéo euh... non, non, mais donc en fait, en fait ça se finit comme ça on, on sait tout sur les apparitions de Neymar de, dans la Casa de ouais, Papel c'est ça en fait. ah oui ah, oui, ah oui, oui 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 ah oui d'accord tout, tout bon, a bah... déjà fuité bon, on bah, sait non mais j'ai pas lu donc en fait ça a été re ça a été remis après la, la, la première diffusion, si tu veux. C'est rien du rien, montage Je me dis rien, j'ai rien, rien lu. Donc voilà, n'hésitez pas. Euh, bah voilà, nous. Normalement, Et à la fin il meurt. On est, on est, on est, reparti, on est reparti pour euh, normalement pour la saison. Voilà, on, on, on verra comment tout ça... Comment tout ça évolue Et euh, bah, écoutez, il y aura encore belles belle choses à faire sûrement cette année. Euh, voilà, si vous avez des idées de PLT, mettez-moi en dessous. Je, peux, je pourrais. Euh, je n'ai pas, pas pu forcément tout répondre à tout le monde. J'ai vu qu'il y avait pas mal de. Il y a eu des questions, j'en ai répondu et, et d'autres non. Euh, mais bon, ça y est, maintenant c'est reparti. La rentrée est là, on a repris nos marques. Et, euh, et puis, bingo, quoi. Voilà. Hein, pour hein, la semaine pire, prochaine, ouais. Damien sera sur sûrement là. On verra. Voilà. Allez, on okay. parlera un peu de foot la semaine prochaine parce qu'on n'a ah pas fait du tout. Ouais, mais c'est très bien peu, parce que l'année dernière, on en parlait quasiment à chaque fois. Bah ouais, mais en là, temps, bon, mais là sport... pour ce début d'année, t'attends, t'as les championnats du monde de, de basket, t'as <laughs> la Coupe du Monde de rugby, c'est magnifique, c'est beau. Ah oui, euh, moi j'ai pris, euh, ça fait un petit moment, Albanie plus 3,5 contre la France. Ah ouais Oui. Ah ouais, t'es comme ça toi Ben dès qu'Mbappé euh, n'allait pas jouer, je me suis dit, on va avoir du mal à. Malgré Griezmann, je pense qu'on va avoir du mal à. À, à, à gagner 4-0 euh, contre. Ah oui, non. Euh, je t'ai dit plus 3,5. Oui, oui. Je t'ai pas dit j pris euh, qu'ils allaient gagner euh, les. Oui. Mais parce que voilà. Non, ah, mais ils euh, commencent pas à m'engueuler. Hein. Ma, 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 malgré qu'ils soient moins bons qu'avant, euh, et la cote a chuté. Hein, donc voilà. J'avais juste anticipé que. Euh, alors la semaine prochaine, on va me dire Ah ben non, ils ont pris. Euh, la France a gagné 6-0. Ok, bon bah voilà. Oui. J'aurais dans l'os. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, j'étais plutôt. Euh, Plutôt content et quand vous regardez les derniers scores France-Albanie, 2-0, 1-0, 1-1, 3-0, 1-2. Euh, le 5-0, ça date de 91 mais depuis oh. les années 2000, on n'aura leur a jamais collé 4 buts. Avec voilà. un but de Franck Sauzé en 91 je ne sais plus, moi j'avais 12 ans, c'est con <laughs> euh, Et euh, voilà, j'ai du mal à, à nous voir coller une grosse grosse claque aux, aux Albanais. Euh, parce qu'ils jouent quand même au ballon, les Albanais. Oui, euh, oui. Mine de rien. Comme tes potos kosovars. Mais sans Mbappé, je pense que l'équipe de France, on est quand même moins fort. On est d'accord non, oui. bah, mais je d'accord. Oui, oui. bah, oui. Avec Mbappé, bah, oui. j'aurais jamais pris ce type de pari-là. Sans Mbappé, avec un Dembélé en mousse, et... Griezmann devant, mais tu mets avec qui, je ne sais pas trop. Donc voilà, j'ai du mal. C'est à... parti pour être un giroud Mais j'ai du mal à aller voir, euh, gagner. J'ai du mal à voir la France gagner 4-0, 5-1. Non, mais oui. oui. Ça me... voilà. Bref. Bon, voilà, euh, j'arrête. Voilà. Bah, 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 euh, on va terminer cette émission à... parce qu'elle pourrait durer très très longtemps. Je continuerai deux heures. Ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, N'hésitez pas, les commentaires, euh, les, les, la petite idée de, de PLT, tout ça. Tu réponds Ben. Hein, ouais, souci. ouais, ouais. Tiens, petite euh, encore aparté, euh, Lewis Hamilton avait bien gâté, avait bien gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne dans notre dernière <laughs> émission. Voilà. Jean-Michel ne s'arrête pas. Allez, on bon, se donne rendez-vous pour la prochaine émission, la semaine prochaine. À très bientôt. Paris gagnant émission de sport et du paris sportif. Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, vous et bienvenue dans Paris Gagnant, et bienvenue dans Paris-Gagnant, et bienvenue dans Paris gagnant et bienvenue dans paris gagnant et bienvenue dans paris gagnant